Et du tout, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien. Pour la part, ça c'est bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur un jeu qui s'appelle Pokémon version platine. C'est parti. Nous allons parcourir plusieurs mondes, plusieurs forêts, comme vous voyez sur l'écran. Nous allons aussi découvrir plusieurs villes qui vont plus tarder à s'afficher. Comme ceci, avec Belladonis en personnage secondaire, mais et le professeur Cosmo. Nous allons avoir deux personnages, un garçon et une fille. On pourrait dire Sacha et Aurore. Ils balancent leur Pokéball et on aura en starter Mysticram, Tortipouse, Tiplou, Pangoléon qui est dans l'évolution de Tiplou. Torterra, qui est bien une évolution de Tentacruz. Nous avons le grand méchant, je sais plus comment il s'appelle. Nous avons un Pokémon légendaire de la dimension. Je me demande bien comment il s'appelle. Hein. Mais bon, on sera dans la suite de l'aventure. Hein. Pokémon version platine. Alors, je vous explique. J'ai jamais joué à... Bah si, j'ai déjà joué à Pokémon version platine quand j'avais 10 ans. J'en ai 9 de plus. J'en ai 19. 10 plus 9 est égal à 19. Merci. Je savais très bien que vous savez compter. Et alors, je me rappelle plus, voilà. Alors, j'ai Pokémon version perle ou diamant chez moi. J'ai pas platine. Je me demandais pas pourquoi. Pourtant, j'adore platine. J'ai jamais acheté. Je crois qu'il y a un moment ou un autre, je crois que je vais l'acheter. Un platine. Mais bon, je trouve plus dans les magasins. Peut-être je regarde la micro-banneur. Bon, commençons l'aventure. Bonjour, quelle joie de te rencontrer. Bienvenue dans le monde des Pokémon. Ouais, trop bien la musique. Écoutez. C'est agréable. Mon nom est Sorbier. Et tout le monde m'appelle simplement le professeur Pokémon. Avant de commencer. Avant de commencer, est-ce que c'est ta première aventure? Si tu as besoin de conseils, je suis tout à fait hâte de t'en donner. Non, merci. C'est pas, voilà, ma première aventure. C'est Anto, Johto, Encino, Unis, Kalos, et plus, comment s'appelle la nouvelle région maintenant? Oh, je sais même plus. Ce monde est peuplé de créatures appelées Pokémon. Tiens, voilà une Pokéball. Touche sur le bouton du milieu, s'il te plaît. Ah, merde. Non, pas ce bouton, le bouton de la Pokéball. Pardon. C'est parti. Oh, la poire, il est trop mignon. Avec ses petites les oreilles et tout. Nous, les humains, vivons avec les Pokémon. Il nous arrive de jouer ou de travailler ensemble. Certaines personnes utilisent les Pokémon pour combattre et créer un lien très fort avec eux. Moi, je me contente de faire des recherches pour que nous en sachions plus sur les Pokémon. Mais avant tout, parle-moi un peu de toi. Es-tu un garçon ou une fille? Alors, je vais regarder dans mon pantalon, mais je suis un garçon. J'ai nul doute, je suis un garçon. Tu es donc un garçon, oui. Comment tu t'appelles-tu? Ah, d'ailleurs, qui me tutoie, c'est déjà pas mal. Alors, je m'appelle Nicolix. Tac. Merde. Toutou. Ah, trop bien les musiques, écoutez. Merde. Trop bien la musique. Vraiment. Oh merde. Oh là là, la musique elle est tellement bien, ça me détend et tout. Voilà. Nicolix. T'appelles Nicolix? Oui. Ok, donc tu t'appelles Nicolix. Quel beau nom tu as. Merci beaucoup, professeur. Vous savez, toi et moi. Toi et vous, bah vous et moi,
Nous allons avoir une grande discussion, vous deux. Vous savez, en tête à tête, en amoureux. Hein, hein professeur? Alors, ce garçon-là fait partie de tes amis? Quel est son nom déjà? Alors, nouveau nom. Alors, au début, je voulais appeler le rôdeur, mais le rôdeur ne passe pas. Alors, j'ai inventé un. J'ai mélangé le nom de le rôdeur avec un nom que je vais mélanger comme le mien. Ah non, moi je m'appelle Nicolas, mon nom c'est Nicolix. Et bah là, je vais faire pareil. Alors là, je fais tac, tac. Voilà. Tac. Avec un Y. X. Et voilà, Alvinix ou Alvanix. Alvanix, ça rend mieux, non? Alors, il s'appellera Alvanix. Alvanix, c'est ainsi que ton ami s'appelle? Oui. Le moment est venu, Nicolas. Le moment de quoi? Jouer aux cartes? Bon, comment te sens-tu? Tu es sur le point d'embarquer pour une aventure unique, rencontrant de multiples gens et de Pokémon en cours de route. Tu vas découvrir un tas de choses, tu apprendras aussi certainement des choses sur toi-même. Ah bon? Je sais tout sur moi, vous inquiétez pas, professeur. Allez, plonge dans le monde des Pokémon. Regardez, ça c'est beau. Le personnage qui grandit, bah, qui est grand, qui rétrécit tout à la fin, c'est trop bien. Ah, la musique. Les Pokémon seront toujours à nos côtés, toujours à vous laisser réfléchir à ce que cela vous implique. Ainsi s'achève l'interview du professeur Sorbet et de retour à Sinnoh après son récent voyage dans la région de Kanto. Voilà ce qui conclut notre émission spéciale Questions au professeur Sorbet, diffusée par la Fédé Télé sur le réseau national. À la prochaine, à la même heure et à la même chaîne. Voilà, waouh! Ah merde, je vais aller faire un tour dans ma chambre. Te voilà! Ah, Albinix! Hey Nicolix, tu as regardé la télé? Le professeur Sorbet, c'est un grand savant qui étudie les Pokémon, pas vrai? Cela veut dire qu'il doit avoir un tonne et de tonnes de Pokémon. Je parie qu'il s'apprêterait de nous en donner quelques-uns si on lui demande. Hey, t'as un nouveau PC? Oui. Ah, vous en étiez où déjà? Ah, j'y suis. Allons voir le professeur B qui nous donne des Pokémon. Des Pokémon. Adieu, t'es gourmand toi. Je t'attends dehors. Oh, Nick. Ok, Nico. Si tu vas en retard, tu n'auras 100 000 Pokédoix. Ah, ça va être difficile. Je n'ai même pas 6 000, 100 000 Pokédoix. Regardez. Mon sac. Oh là là. Mais regardez, ça rappelle trop bon de souvenirs. Alors, je vais regarder, j'ai combien de dollars. Là j'ai 3 000 dollars alors net net. Ah oui, au sens tac, alors tac, hop, et en fenêtre je vais me mettre celle-là qui me plaît énormément. Tac, nickel, je vais toujours ces paramètres là peu importe le jeu que je. Alors c'est parti. Tintin. Ah là là. Nicolas, maman. Alvinix, il est déjà parti. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais il était pressé. Très pressé. Très pressé comme un citron. Pressé comme une orange. Ah, j'ai fait de vannes. Je voulais pas les faire, excusez-moi. Mais non, mais attends. En me balançant pressé, moi j'ai plein de mots qui me passent à la tête. Ah oui, Nicolas. De commandement. Ne va pas dans les hautes herbes. Non. Ne va pas dans les hautes herbes. Les Pokémon sauvages pourraient t'attaquer. Ça irait si tu avais ton propre Pokémon. Mais tu en as pas. Alors, rachetez-toi. À bientôt, mon chou. Alors, je vais t'expliquer, maman, un truc. Maman, je t'aime bien. Mais la prochaine fois que tu me clashes, m'occuper de toi et ton joli petit cul, ok? Tu vas te faire naître avec ta grosse chatte et tout, mais le père est pas là, le père est mort, alors je vais m'occuper de toi, t'inquiète pas, à midi je serai dans ton lit, ça te dérange pas maman qu'on dort deux, qu'on crac crac tous les deux.
Hein? Moi aussi j'ai envie de toi, mon Ok. garçon. Ah, très bien, bah à tout à l'heure alors. J'arrive. Alors, c'est parti. Nous allons à. Alors, nous sommes à Bonogur. Bonogur qui est un petit village de 4 maisons. Alors, on doit aller chez Alvinix. C'est vrai, on n'a pas encore les. Comment dire, on a. Boum! Désolé, peut-être je vous ai cassé les oreilles, mais je pense pas. J'ai baissé mon son au minimum de ma voix. Alvinix, c'est quoi ça? Hé hey Nicolas, je vais voir le professeur Sorbic qui vient avec moi, allez, que ça saute. J'ai accéléré à un moment. Oh mince, j'ai oublié un truc. Oh putain, mais il est casse-cou le mec, c'est lui qui nous doit 100 000 poké-dollars. Elle rentre, Nicolas. Je vais voir juste un truc quand j'arrive dans sa chambre, je vais voir juste si j'enregistre. J'ai eu des petits bugs, je ferais mieux de prendre mon sac et mon journal. Alors, salut Nicolix, je t'attendrai sur la route, 300 000 dollars si tu vas en retard. M'en fous, je les ai pas. Alors, je m'accrotte. Alors, je vais voir si j'enregistre. 2 secondes. Je vais recouper, hein, vous inquiétez pas. Ouais, j'enregistre toujours. C'est nickel. Voilà, je vous avais vu parce que je vous couperai. Parce que j'ai eu des petits bugs comme quoi ça n'enregistrait pas. Alors je. Voilà. Ouais, il y a un moment je voulais enregistrer avant. Imaginez, depuis 10 heures je suis sur en train de filmer. Mais le problème, j'ai eu des petits bugs. Alors il fallait enregistrer le. Comment ça s'appelle? Le problème, il y avait des petits bugs. Il voulait pas enregistrer. Alors régler tous les paramètres de le logiciel que j'utilise, voilà, bref. Alors route 201. Ah, attention, qu'est-ce qu'il va me dire celui-là? Dépêche-toi un peu. Allez, en route au labo du professeur Combier. Quoi? Évitons les observes. Pas de problème. Ce n'est pas grave, nous n'avons pas de Pokémon. Fais-moi confiance, j'ai une idée. Écoute, tu sais que les Pokémon sont en marche dans les hautes herbes. Bah, c'est une raison de plus de ne pas aller marcher dessus. Il suffit de passer en trombe des zones herbeuses avant même que les Pokémon aient le temps d'apparaître. Si on fait ça, on pourrait attendre la Littorella sans encombre. Allez, suis-moi. Très bien. Allez, en route. Moi, j'y vais pas, hein. Tu vas tout seul. À vos marques. Ouais, partez. Aïe. Je me demande bien qui c'est qui a fait halt. Éclair. Non. Oh putain, on dirait Éclair qu'on a fait halt. Professeur. Bon, alors je vais faire une voix de vieux. Hein. Ouh, non, 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 attendez. Vous ne semblez pas avoir de Pokémon, vous deux. On peut savoir ce que vous comptez faire avec des observes à faire dans les herbes. Bah, monsieur, c'est pour fumer de la beuh. Foutez pas ma gueule! Non, je rigole, ça n'existe pas, mais bon. Voilà, j'invente les paroles. Hein. Et Nicolas, ce vieux bonhomme, c'est le professeur Sorbier, pas vrai? Que fait-il ici? Bah, il veut fumer de la beuh avec nous, t'as pas compris? Ils sont allés dans les observes pour capturer des Pokémon. Que faire? Leur vision du monde changera du tout s'ils croiseraient des Pokémon. Est-ce la meilleure de choses à faire? Vous deux, vous aimez vraiment les Pokémon? N'est-ce pas? Oui, moi j'aime les Pokémon. Je vais vous reposer la question. Le père fouette-toi quand il parle. Vous deux, vous aimez vraiment les Pokémon, n'est-ce pas? Vous avez 30 secondes pour répondre, sinon la clé va partir à la fourrière, la boule viendra vous chercher. Quoi? Quoi? Bon, vous pouvez bien poser 100 fois la réponse. Ça ne changera jamais. On répondra toujours qu'on aime les Pokémon. Pas vrai, Nicolix? Deux petits sautes qui se promènent dans les observes. Alors qu'ils n'ont même pas de Pokémon, je m'inquiète sur ce qu'ils pourraient faire sans s'y enlever.
Eh ben, alors tant pis pour moi. Mais donner au moins un Pokémon à mon acolyte. Vous savez que c'est moi qui ai insisté pour aller dans les sauterelles. Tu as beaucoup de cœur, petit. N'existe pas, il n'y a pas de mots qui existent. Mais il y a des moments où vous allez voir, où j'inventerai les phrases ou choses, j'enregistrerai des mots. Ça, c'est tout à fait normal, vous inquiétez pas. Ah, pardon, excusez-moi, je viens de router. Alors c'est décidé. Je vais vous confier un Pokémon et je vais vous présenter mes excuses pour vous avoir testé comme ça. Ah, depuis tout à l'heure, c'était un test. Ok. Tranquille, c'est cru pour incroyable question ou question pour un champion. Cependant, vous devez me promettre ne plus que vous prendrez plus de risques. Inutile. Alors voyons, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en ai fait? Oh, Aurore. Elle est trop bonne, Aurore. J'ai envie de la baiser. Professeur Sorbier, vous avez oublié votre mallette au slack. Alors je fais une voix, mais vraiment une voix de fille, j'essaye hein. Oh, il y a un problème. Oh, il y a un problème. Ah, la voilà, bien joué, Aurore. Je m'apprécie à donner leur propre Pokémon. Pardon? Ces Pokémon sont irremplaçables. Vous êtes sûr d'être prêt à vous en défaire? Oh, nous coexistons avec les Pokémon. Tout le monde devrait l'en côtoyer à un moment ou à un autre. C'est une expérience propre à changer sa vision du monde. Le moment est venu pour ces enfants. Allez, vous voilà, madame, choisissez un Pokémon. Pas des Pokémon. Faut pas rêver. Vraiment, professeur Sambier, oh, je ne crois pas mes oreilles. Je suis si heureux et du mal à me confier. Hey, Nico, il choisit en premier. Je comprends ce que je suis presque adulte, alors je dois montrer l'exemple. T'es presque adulte. Attends. T'es presque adulte, t'as failli nous mettre balancer dans les observes et après des Pokémon t'attaqueraient et après ils nous tueraient. Tu crois que ça s'appelle être mature à cet âge? Waouh, 3 Pokéballs. Regardez, ce sont des Pokéballs, chacun contient un Pokémon. Choisissez maintenant lequel sera votre premier Pokémon. Nous avons Tipouf, Pokémon Pagouin, Tipouf. Nous avons Pokémon Chimpanzé, Mysticrabe. Et nous avons Turtipouce, Millefeuille. Minifeuille. Ah, Millefeuille. Millefeuille. Tellement j'ai faim que je pense à Millefeuille. Alors, je vais prendre Turtipouce parce que quoi, il voulait en Torterra, c'est pas mal. C'est une bête. Alors, c'est toi que je choisis. Je prends ce Mysticrabe. Très bien, vous avez choisi de bons Pokémon. À présent, écoutez-moi bien. Les Pokémon que je vous ai confiés connaissent pas encore le monde. En cela vous ressemble beaucoup. Vous semblez découvrir, j'espère que vous ferez une bonne équipe. Encore de problèmes, n'hésitez pas à venir me voir dans mon labo de Littorella. Bien, à présent, partons. Merci professeur, je vous aime. Le professeur, attendez-moi. Veuillez m'excuser, je dois y aller. Oh, la voix que je lui fais, c'est une voix d'enfant. Une voix de petit enfant. Qu'est-ce que tu en dis, ça? Le professeur Sambier est très, très gentil. Rien à voir avec ce qu'on m'était imaginé en le voyant à la télé. Ah ouais, ça tu peux le dire, mais moi je sais très bien qui t'es. Oh là, attention, il va sprinter. Hé, Nicolas, maintenant qu'on a chacun un Pokémon, il y a qu'une chose à faire. À la hauteur, ça dépend quoi. Si on veut, tu veux coucher avec moi, c'est non, je suis pas à la hauteur. Aurore, ah non, non, Aurore, c'est moi. Prends le professeur, un vieux crouton, il aura des croûtes à voir. C'est bon, toi, les croûtes, les vieux croutons. Tu dois rêver de dire ça. C'est l'heure enfin de sonner. Écoute, je te défie en combat singulier. Ah, en combat, j'ai eu peur. Ah, j'ai cru, il allait me tuer, pas bah, me tuer, me enculer. Un combat lancé par le dresseur Alvinix. Mysticrabe est balancé. Turtipouce, go! Turtipouce, c'est notre premier combat. J'espère qu'on fera bonne connaissance pendant cette longue aventure. Attaque charge, Turtipouce.
sais que tu peux y arriver, Tortipou. Je suis avec toi, t'inquiète pas. Si on doit perdre, on perdra ensemble. T'inquiète pas, je ne pardonnerai jamais, Tortipou. Mais non, arrête tout de suite. Ah non, tu voulais un vrai combat. Je te montrerai la vraie puissance de mon truc. Tortipou, tiens le coup. Et tu charges, pleine puissance. Bien, Tortipousse, encore charge. Tortipousse, tu peux tenir le coup, s'il te plaît. Bien, charge, encore. Bien. N'abandonne pas, on a encore des ressources, regarde. Attaque, résiste, Tortipousse. Je sais très bien que tu peux résister. La défense, Tortipousse, baisse. Charge, vas-y. Bien, encore une attaque, on le bat. Yes, on l'a battu. Allez, Tortipou, termine ce combat avec charge. Bravo, Tortipou, je suis très fier de toi. Wow. Level up, level 6. PV max plus 2, attaque plus 2, attaque plus défense 1, défense spéciale 1. Je veux dire PV, attaque 14. 14 en attaque, défense en 13. En attaque, j'ai pas mal en défense aussi. Ouais, c'est attaque défense, nickel. Nicolet remporte 500 poké dollars. Nickel ça. Waouh, rentrant à la maison, ce combat m'a épuisé. Mon Pokémon a besoin de se reposer. Affiche Nicolix. Ah, t'as bien raison, on va rentrer chez nous parce que on commence à être épuisé et nos Pokémon sont bien combattus. Ah là 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 là. Qu'est-ce qui se passe, mon chou? Vraiment, waouh! Toi à Vénice, vous avez de la chance d'être tombé sur le professeur Chambier. Imagine ce qui serait passé sinon. Bah, on serait mort. Et tu serais mère solitaire. Pas d'enfant, pas de père. Je préfère ne pas penser ce que le Pokémon Chouba aurait fait. Nicolas va voir le professeur, remercie-le comme il se doit. Il est son laboratoire, il y a Littorella, je crois. Maintenant que tu as ton propre Pokémon, les autres ne sont plus une menace. Oh, je sais, Nicolas, enfile ça. Nicolas obtient les chaussures de sport. Très bien. Ce roi Littorella est une aventure en soi. N'est-ce pas, avec les chaussures de sport, tu peux te déplacer beaucoup plus vite. Ok, je vais lire le mode emploi. Maintenez B, puis appuyez comme le vent, filez comme le vent. Ok, enfilez les chaussures de soi, partez à l'aventure. Ça a l'air très bien. Bon, les gens, je crois qu'on va se laisser là pour le premier épisode de Pokémon version platine. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de mettre un j'aime, un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne, suivez-moi sur Twitter et je vous dis. Surtout, suivez-moi sur Twitter, parfois je mets des photos, voilà. Mais des conneries, genre voilà, regardez ce que je fais au lycée, par exemple, regardez la Paris dessus, bref, voilà, des trucs, des conneries, bref, voilà. Vous pouvez me suivre sur Twitter, il n'y a pas de problème, le lien est dans la description. Et n'hésitez pas à vous abonner, suivez-moi sur Twitter, et je préfère caresser au but. Et bisous grand-mère, et bisous. Allez, ciao tout le monde, bis, c'était Nicolas, over, bitch. Allez, salut!